Salut Rider, salut Rider, j'espère que vous allez bien. Donc jamais 203, on a le troisième test des vélos électriques. Donc la Rolls pour la fin, le pivot shuttle. Donc le pivot shuttle est un e-bike all mountain qui lorgne un peu sur l'enduro. Il a 140 mm de débattement à l'arrière, 160 à l'avant, avec des roues de 29 pouces. Et un cadre full carbone. Chez Pivot, au niveau shuttle, on a deux niveaux de gamme. Là, on est sur la version la plus haute de gamme, donc la Team XTR, qui sort à un tarif de 10 499 euros, mais on n'est pas à un euro près. Exactement, donc vraiment un positionnement premium. Et au niveau des équipements, du coup, on va voir que c'est également premium. Donc la suspension, c'est du Fox Kashima, un DPX à l'arrière et une Fox 36 en Fit 4 devant. Les roues, donc c'est du DT Suisse hybride du 1535. La transmission est 12 vitesses en XTR, donc la cassette, dérailleur et le shifter. C'est simplement au niveau du pédalier où là on est des manivelles XT. Et le Shimano XTR marche vraiment très bien. Hein, ça se rapproche en rapidité du SRAM AXS. Ouais. Donc on est vraiment sur des passages vraiment fluides et c'est super rapides. C'est rapide, c'est instantané quasiment. Donc ça c'est top. Pour le freinage, on a du XT 4 pistons. Donc du Shimano, avec des galettes de 200 à l'avant et 180 à l'arrière en Ice-Tech. Voilà, en Ice-Tech, c'est ça, avec le système de refroidissement de chez Shimano, comme on est en 180. En tige de selle, on est sur une Fox Transfer, qui n'est pas Factory, elle, qui est la version performance. Et sinon, sur les périphériques, on a une selle WTB siglée Pivot et un cintre en carbone Pivot avec également. Une potence maison. En 760 de large. Pour animer ce gros bébé, on a un moteur Shimano Steps E8000, donc le même que le GT. Par contre, c'est pas la même batterie. Donc en fait, là, Pivot a pris une batterie qui est normalement externe, mais ils l'ont intégrée à leur cadre. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver un afficheur sur le vélo directement. Par contre, elle fait la même capacité, 504 watt-heure. Voilà. Donc, voilà. Son avantage, c'est qu'elle fait 2,4 kg. Donc en fait, elle est plus légère. Et je pense que c'est la philosophie qu'ils ont voulu faire, Pivot. Bah justement, ça fait embrayer sur le poids. On l'a testé, on l'a pesé nous-mêmes. 21,05 kg, c'est le plus light de notre comparatif. On embraye sur le look, Jason. Le look, franchement, moi, c'est du Pivot. C'est Pivot. Moi, j'adore hein, le DW-Link. Ouais. Voilà, DW-Link. Enfin, c'est magnifique. Enfin, franchement, il y a plein de choses. Même en niveau finition, c'est vraiment premium. On a des cache-câbles, enfin, vissés. Même pour l'entretien, c'est pratique. Mais les courbes sont jolies et franchement, il n'y a rien à noter en finition. On est vraiment sur du parfait. C'est quali, il n'y a rien à dire. On a un gros protège-base énorme qui fait tout le tour, donc ça, c'est cool. On a un bon gros sabot moteur en dessous, donc c'est bien protégé, c'est impeccable. Franchement, bon, petit point à signaler quand même sur le Pivot, c'est qu'on ne peut pas mettre de bidon. Ouais. Donc c'est sac à dos quasi obligatoire avec poche à eau. Ça c'est un petit point négatif. Et on a également l'ergonomie du moteur pour démonter la batterie. Voilà, pour la batterie. Là c'est compliqué. Ouais. Pour les compétiteurs ou ceux qui vont faire des grandes distances, il faut démonter les 8 vis. Et avoir une batterie énorme, parce que comme elle est censée être externe, faut prévoir un gros sac à dos aussi, en plus de tout ça. La batterie un peu plus grosse, exactement. Et aussi, pour celui qui habite en appartement et qui a les moyens de se payer ce beau joujou, c'est un peu compliqué parce qu'il faut monter le vélo, on ne peut pas le charger. C'est compliqué de le charger en démontant la batterie, en montant que la batterie chez soi. Pareil, au niveau de l'affichage, c'est un petit peu succinct. Et on a trouvé quand même que le kiosque était plus pratique au niveau de navigation. Parce que là, faut décaler sa main, le bouton est en dessous. Les affichages sont minimalistes. Et puis, c'est un petit peu compliqué en roulant de voir d'autres paramètres que la vitesse à laquelle tu vas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on va s'arrêter un petit moment sur les cotes de géométrie parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. En fait, ça ressemble plus à un vélo d'enduro traditionnel au niveau taille. En fait, on a des bases qui sont plutôt courtes en 438 mm. C'est ça. On a un top tube qui est assez long en 619 et un reach plutôt dans la moyenne en 440. Et devant, ça ouvre bien en 65,2. C'est ça, en sachant qu'on est en taille M. En sachant qu'on est en taille M, exactement. Donc, on a une répartition des masses qui semble plus portée vers l'arrière du coup que les deux autres vélos qu'on a testés et qui avaient plus tendance à avoir un arrière long et un avant plus compact. Donc là, c'est l'inverse. On a un arrière compact et un avant un petit peu plus long. Voilà. Son empattement est de 1203 mm aussi.
Donc même si le top tube est long, le vélo reste court, voilà, ouais, on reste est dans la moyenne. Relativement compact, ouais, raisonnablement compact on va dire. On va s'attarder maintenant hein, sur le comment il marche ce vélo, parce que c'est quand même, on est là pour ça. Hein. Voilà. Dans le D+, pour un IMTB, on attaque déjà par le moteur, hein, c'est voilà. Intéressant, on l'a vu aussi avec le GT, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques en batterie et tout ça, même s'il y a la même capacité. Le Shimano, bon, il a, on le répète, il a trois modes, donc Eco, Trail et Boost. Et Boost. Dans l'ensemble, c'est assez homogène, on peut les régler avec le smartphone, on peut ajuster l'assistance avec, avec l'application Shimano. C'est assez homogène, c'est moins linéaire, j'ai trouvé, que le Bosch, qui est plus efficace et qui a... j'ai trouvé quand même qu'on a, quand on arrive dans un trou et qu'on remonte, des fois, on a un petit peu de mal à relancer. Voilà, il y a des petits à-coups, voilà. Il fonctionne bien, en général, il nous emmène, voilà, tout ça, mais c'est pas le plus sportif des moteurs. Après, dans les montées vraiment techniques, ce pivot, c'est pas une arme absolue. Hein. Il est très léger de l'avant, il a tendance à lever facilement, et du coup, on perd un petit peu en précision. On a tendance à délester à chaque fois. Voilà. Je pense que là, on a trouvé le point noir un peu de ce vélo, et dès que c'est un peu technique, donc moi, j'ai essayé de changer. Au début, j'étais en mode boost, après je me suis mis en mode trail, j'ai essayé de réduire un peu la puissance parce que sinon on déleste et après on va plus du tout là où on voulait aller. Ouais, ouais. C'est un petit peu les montées vraiment très raides et techniques sont un petit peu difficiles avec le pivot, faut bien se pencher en avant, mais vraiment, voilà quoi, c'est pas le plus à l'aise. Bon, on va attaquer un point crucial quand même, c'est l'autonomie, surtout qu'on peut pas remplacer la batterie en roulant ou difficilement sur ce pivot, c'est un petit peu aussi un petit peu décevant. Moi personnellement, j'ai pas réussi à dépasser les 30 km. On a un gros poids d'écart entre nous deux. Moi j'ai pas réussi. Pour pas te vexer. Oui, exactement. Mais j'ai pas réussi à dépasser 30 km que en mode trail, hein, parce qu'on est là pour quand même envoyer du gros. Moi le mode éco, je me suis un peu ennuyé avec, hein, pour être totalement franc. L'intérêt d'un vélo électrique, c'est quand même de puncher dans les montées et de se dépasser et de faire monter le cardio. J'ai fait un petit peu de mode éco pour voir jusqu'où je pouvais aller en autonomie. Mmh. Je suis allé jusque 38. Et ouais, après, dès que je me suis mis en mode boost, en mode je veux faire des coms même dans les montées, et ben c'était du 30 km/h. Donc, du 30 km/h. Ouais. Bah oui, on est tous les deux pareils. Donc assez parlé de la côte, parce qu'on voit que c'est pas son point fort au pivot. Par contre, il a un gros point fort, c'est dans l'autre sens de la pente. Où là, l'équilibrage des masses, ça fait des là, miracles. C'est... Ah ouais, là, franchement, là, moi, je me suis mais régalé. C'était top. J'ai eu... une, deux, trois spéciales d'adaptation parce qu'il y a un peu plus d'inertie. Oh oui, bien sûr, c'est plus lourd qu'un vélo traditionnel quand même. Voilà, mais c'est une adaptation qui est vraiment rapide. Et après, une fois que j'ai compris comment il avait fonctionné, là, c'était génial. Là, la suspension, elle fonctionne super bien. Le DW, le Dev Wiggle, la cinématique, là, c'est vraiment un régal. Ah, les 140 super derrière, tu as l'impression d'avoir un 160. Ouais. Hein. Et c'est super confortable, franchement, ça avale tout. Ouais, c'est extraordinaire. Les sauts, je me suis régalé. Enfin, j'étais prêt à l'emmener partout. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une belle descente, c'est son élément. Et comme tu as dit, on ne sent pas les 140. Quoi. On peut y aller. Moi, j'y suis allé sans réfléchir. Et j'avais envie de même l'emmener plus. C'est le plus confortable des trois. C'est aussi le plus équilibré. Il est bien maniable, même quand ça va vite, la stabilité, il n'y a vraiment rien à redire. Franchement, en descente, il a soit sa suprématie quand même parmi les trois qu'on a testés, c'est le plus abouti niveau descente. On sent bien que le poids est décalé vers l'arrière et que l'avant, du coup, il est plus léger. En franchissement, tu vas comme avec un vélo d'enduro, enfin voilà, il ne te pose pas de questions. C'est limite même... même plus bulldozer qu'autre chose. Non, tu t'engages dans des trucs, des fois tu sens même pas. Et le grip va vraiment bien. Là, pour faire le pointilleux, j'aurais mis un Assegai à l'avant, mais c'est pour être plus rapide. Et là, le DHF fait le job parce qu'on a les bonnes suspensions. Mais c'est vraiment pour faire l'exigeant et pour dire j'aurais pu passer encore plus vite si j'avais un pneu avant qui était mieux. Bon, niveau fun. Je le vois bien, t'as un gros sourire, je pense que tu l'as bien kiffé. Ça a changé ma vision du vélo électrique, donc ouais, il est vraiment fun. Fun à rouler, par contre, c'est quand même plus physique qu'un VTT traditionnel. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, c'est pour les feignants, tout ça, mais vous vous trompez, hein. Franchement, vous vous trompez, parce que
et en montée et en descente, c'est plus physique à manier. Et en montée, on est toujours en train de taper dedans. Ouais, et en montée, c'est ça. On se dit, bon, bah allez, on va y aller, on va être plus rapide et on transpire vraiment, vraiment bien en montée. Quoi. Bon, bilan de ce pivot. Ce qui pourrait progresser en montée, c'est l'équilibrage, du coup, ça a tendance à lever et l'autonomie. Et on n'a pas parlé aussi du bruit du moteur. Voilà, ce qui pourrait progresser. Et bon, mais ce qu'il y a, c'est que la répartition des masses, elle est telle qu'en descente, c'est un bijou. Voilà, donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est une histoire de compromis. On oublie la montée et on pense qu'à la descente. Exactement. Donc, c'est quand même un bijou à 10 490 €. Il faut justifier un petit peu ce tarif-là. Voilà, le prix est un peu élitiste. Voilà, le prix est un peu élitiste. Le vélo, un peu moins, parce qu'il est facile à prendre en main. Voilà, donc c'est une belle bête et on attend l'évolution avec impatience. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais voilà. Un autre niveau. C'était la Rolls, j'étais content de pouvoir rouler avec la Rolls des vélos. Exactement. Bon, bah, nous on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine du coup. On va faire une petite pause de e-bike pour l'instant. On va passer un peu au musculaire. Sur des VTT traditionnels. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez voir sur le site web l'article écrit par Jason. Et puis, on se retrouve en commentaire, soit sur le web, soit ici en bas de la vidéo. Et puis, ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao.